Yo les petits thugs anti-système. Aujourd'hui, on va parler de désobéissance civile avec une étude de cas, une des actions les plus simples à réaliser en petit comité. Mais d'abord, je vais faire un point sur les désobéissances civiles. C'est un mode d'action dans lequel on va sciemment aller contre des règles ou des lois en place pour défendre une cause de façon pacifique. Le but n'est pas en soi d'aller contre la loi, mais plutôt de réaliser une action militante qui va au-delà de la protestation légale quand celle-ci n'est pas entendue, c'est-à-dire à peu près tout le temps. C'est une résistance à un pouvoir ou à une règle que l'on considère absurde par l'ignorance de cette règle et qui va pas jusqu'à l'opposition à la violence de la violence. Des actions de désobéissance civile, c'est par exemple des refus de payer des amendes, des occupations, des réappropriations de l'espace public par des plantations, par de l'affichage sauvage ou du street art par exemple. Enfin, je vous reparlerai de toute cette histoire de désobéissance civile. Est-ce que c'est pertinent ? C'est le mode d'action choisi par des organismes comme Greenpeace ou Extinction Rebellion pour lutter contre des lois ou des grands projets inutiles, par exemple. C'est plus frappant que les manifs, aussi parce que c'est plus neuf. C'est un refus physique de se soumettre à l'autorité dont on ne reconnaît pas la légitimité. Mais si la force n'est pas employée pour faire obéir les dissidents, c'est que quelque part, l'emmerdement est minimal pour cette autorité. À côté de ça, le champ des actions possibles est super large. On peut facilement cibler les organismes qui posent problème, comme des banques ou des grandes entreprises, par exemple. Et la communication peut être plus efficace par ce fait. Au lieu d'aller directement parler avec des gens, on va utiliser des moyens détournés pour montrer les problèmes et provoquer des discussions. J'ai pas encore la réponse sur cette méthode de militantisme. Je pense que comme toute, elle est perfectible, mais qu'elle a une efficacité non négligeable. Bien sûr, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt une manière de diffuser une urgence, des revendications, des idées. On n'est pas sur du super subversif non plus. Plutôt sur une action de teugri petite bourgeoise. Mais le fait est que la désobéissance civile comme mode d'action attire les jeunes. Parce que les partis politiques ont déçu, qu'ils ont une image vieillotte, et que les embrouilles d'ego nous donnent envie de nous organiser via d'autres canaux. Du coup, aujourd'hui, je vous explique comment réaliser une action de désobéissance civile ultra simple. Une action anti-pub. Je trouve que la pub, c'est une cible pertinente, parce que c'est un instrument de la surconsommation et du productivisme. Je vais pas vous expliquer les mécanismes de création de besoins et d'obsolescence marketing qui sont utilisés dans la publicité. Le but, c'est de faire miroiter qu'on va atteindre le bonheur avec l'acquisition et le renouvellement de toujours plus de choses. Et c'est inatteignable et triste. Le marché du textile, c'est un très bon exemple. Il circule une quantité de fringues débiles par personne pour le nombre qu'on est. En 2017, c'est 39 habits par personne qui sont mis sur le marché en France. La pub, c'est aussi un luxe qui est réservé aux très grandes enseignes, qui en ont les moyens. Ça fait moins d'1% du total des entreprises. Donc comme d'habitude, les grands capitalistes s'enrichissent et les petits commerçants s'appauvrissent. Classic shit. Autre truc malhonnête, c'est d'être complètement forcé à en consommer. Puisqu'elle est partout. En vrai, sur le net, à la télé. Et même si on peut limiter, on n'a absolument pas le choix d'en consommer au monde. Les études varient, mais on parle de 110 minutes de pub par jour en 2017 pour un Américain moyen. 1200 à 2200 messages reçus par jour en 2007. Et concernant l'affichage, 130 publicités en 45 minutes de déambulation en 2010 à Londres. Je pense qu'on est légitime de récupérer cet espace public pour y mettre ce qu'on veut, même sans revendiquer quoi que ce soit, pour y mettre de l'art par exemple. Enfin, les idées véhiculées par la pub sont ultra nauséabondes. Parce que le but, c'est de faire du profit, pas de changer la société. Donc on hypersexualise la femme, on greenwash, on utilise les clichés de la masculinité ou de la place dans la famille, et on parle aussi évidemment pas des conséquences des produits ou des services que l'on vend. Par exemple, l'empreinte carbone d'un voyage en avion. On banalise des usages néfastes parce que rentables. La psychologie est utilisée pour perfectionner l'intégration des valeurs consuméristes, en dépit de toutes les autres. C'est puant. La réduction de la masse de publicité est nécessaire. Du coup, en ce qui concerne les panneaux de type sucette ou abribus, c'est des cibles très faciles. Et donner les clés à tout le monde pour en faire un espace d'affichage public, ça me plaît. Même si ça représente qu'une partie infime du budget de la pub, moins de 10%. La première étape, c'est les outils. La plupart des panneaux s'ouvrent avec une clé, voire deux. Une pour la première porte qui découvre le mécanisme d'ouverture. Merci la mondialisation, il y a assez peu de panneaux différents. Donc avec un très faible nombre de clés, on peut ouvrir des centaines de milliers de panneaux. Sauf ceux-là apparemment. Les outils, c'est parfois des clés trouvables directement au magasin de bricolage, ou bien des clés sur lesquelles il faut faire quelques modifications, comme percer des trous ou souder un peu. Je voudrais faire une capsule de cette vidéo, donc on va skipper l'étape où on fabrique les outils, parce que des vidéos font déjà ça super bien. Je vous les mets en description avec les différents types de clés qui existent. Et surtout, les actions anti-pub, c'est des actions qui sont souvent réalisées par les mouvements militants, donc vous avez tout à fait moyen de leur emprunter des outils, ou voire juste leur demander des conseils. Bien sûr, c'est une action de désobéissance civile, donc illégale. Donc il y a quand même des risques juridiques. Même s'ils sont mineurs, on n'est pas en train de s'infiltrer au ministère des Finances. La plupart du temps, il vous arrivera rien du tout. Il suffit d'avoir l'air naturel, voire de porter un gilet jaune, et personne ne vous embêtera. Par contre, l'effet s'annule si vous êtes blanc avec des dreads. Si vous êtes en groupe un peu visible et que la police vous remarque, ils peuvent faire un contrôle d'identité, donc ayez une pièce sur vous. Ne donnez pas d'informations si vous n'y êtes pas obligé, vous n'avez rien à déclarer.
En général, le contrôle se fait sur place, mais si on veut vous intimider, on peut vous emmener au poste. Au pire du pire, il peut y avoir des peines et des amendes. Mais gardez bien à l'esprit que même si ces choses ont une possibilité d'arriver, c'est très très peu probable. Deuxième étape, ouvrir le panneau. Comme c'est illégal, je vais vous montrer ce qu'il faut absolument pas faire si vous voulez rester dans l'obéissance la plus totale. Tout d'abord, il ne faut pas préparer d'affiche avec un slogan, une revendication ou une œuvre d'art pour remplacer la publicité du panneau. Ensuite, ne vous dirigez pas vers un panneau publicitaire et ne vous placez pas sur le côté. N'ouvrez pas le panneau avec les outils que vous avez récupérés ou fabriqués. Ne soyez pas deux ou avec un escabeau, c'est plus pratique. N'enlevez pas l'affiche de publicité précédemment placée. Bon, par contre, si on peut éviter de virer les pubs pour les petits commerçants ou les locaux, ou bien des trucs type conseil Covid, c'est pas plus mal quand même. Ne remplacez ensuite pas votre propre affiche en la bloquant à l'aide de la pince sur le haut. Ne refermez pas le panneau, votre méfait est accompli. Ça y est, vous êtes maintenant un véritable vandale de l'espace public. Les mêmes actions anti-pub peuvent aussi être menées avec encore moins de matos. Ce sera plutôt du recouvrement d'affiches, donc avec du blanc de meudon ou de la colle à base de farine, qui sont toutes les deux des solutions écologiques et lavables. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos. Ce sera très divers. Action, théorie, sociétale ou individuelle. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous voulez voir en priorité ou me contacter à l'adresse en description si vous voulez participer au contenu de la chaîne d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un pouce gnagna, abonnement gnagna, cloche gnagna, partager et surtout participer. Et n'oubliez pas, contre le système qui rend méchant... Révolte !